En 2014, c'était une saison riche en sortie canyoning, avec notamment une nouveauté. C'est une session qui est organisée par des adhérentes de Canyon & Co, donc une session entièrement féminine. Ça s'est passé en Sierra de Guara au mois de mai. Juste une semaine après, on a eu aussi une petite session que nous appelons une session entre guillemets. Petite sortie week-end vacances entre copains, donc également Sierra de Guara. Voilà où on a retrouvé nos amis de l'association Les Guillas de Guara. Voilà, nous étions une dizaine d'adhérents à partir. Au mois d'août, la grande grosse session, ce que nous appelons nous la grande session tous les ans, c'est-à-dire une semaine de canyoning non-stop, où on enchaîne tous les jours canyon sur canyon. Donc là, nous sommes partis dans la vallée du Tessin, ce qu'on appelle le Ticino en Suisse, pour affronter les plus grands canyons d'Europe. Donc là, ce sont des musts, des musts du canyoning. Il n'y a pas mieux au niveau engagement. Les canyons sont d'une forte verticalité, sont très longs, dans de l'eau froide, et à chaque instant, on enchaîne des sauts qui sont très hauts, des grandes descentes en rappel, des grandes descentes en toboggan. C'est la magie pure du canyoning qu'on peut retrouver dans la vallée du Tessin. La saison s'est finie sur une petite session que nous on appelle la session été indien. Donc dans les Pyrénées espagnoles, avec un petit groupe de nos adhérents qui a voulu goûter un petit peu avant l'hiver, une dernière fois à la magie du canyoning.